vu tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une vidéo balade dans le Five King Casino Motorsport Park qui se trouve juste ici. Donc ici, c'est tout simplement du coup le Five King Casino Motorsport Park. Donc c'est tout simplement un des 6 circuits qui a été ajouté sur The Crew 2. Hein. Donc voici du coup un des tout nouveaux circuits. Donc là malheureusement on a un petit peu de brouillard. Mais voici du coup l'un des 6 circuits. Franchement ce circuit là en vrai il est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce circuit concrètement. Sur ce circuit on n'a pas eu beaucoup d'épreuves dessus. On a eu concrètement une épreuve drift. Hein, et après on a eu des épreuves du coup avec le thème glace. Hein. Voilà, on a eu aussi des épreuves de rallycross, je crois, sur ce type de circuit. Il me semble. Je crois. Oui, on a eu du rallycross, mais c'est du coup sur le bitume. Ouais, du coup, après, moi, je me balade en rallycross uniquement si on a des pistes en rallycross. Mais là, bah, là du coup, il n'y en aura pas, hein, du coup, de pistes en rallycross. Mais on a des épreuves quand même de rallycross quand même sur ce circuit. Donc franchement ce circuit il est magnifique hein, comme le tout premier circuit que je vous ai fait en vidéo qui vous a du coup bah, vraiment énormément plu concrètement. Et comme j'ai dit, hein, je ferai tous les circuits du jeu, donc tous les 3 jours, vous aurez une vidéo circuit. Et une fois que toutes ces vidéos seront sorties, une totalité de 6, après je ferai des let's play, je reprendrai les let's play sur ma chaîne YouTube étant donné que c'est juste simplement en attendant tout simplement. Donc là la piste elle est pas très grande pour rentrer dans le circuit. Vous voyez, donc là c'est pas très loin. Par rapport au drift park, bah le voilà, pour arriver sur le circuit, vous avez c'est une simple ligne droite. Et après, hop, ça y est, on est déjà dans le circuit. Hein. Bon par contre ici c'est peut-être un petit peu mal fait concrètement là, l'entrée, je dirais, peut-être ici. Mais sinon à part ça concrètement, le reste, tout le circuit. Me plaît vraiment. Donc après c'est vrai que toutes ces épreuves là, comme vous avez remarqué, on les fait en version glace. Ça veut dire qu'on ne s'est jamais vraiment baladé sur cette dans ce circuit réellement hors de finalement que ça soit en glace. Hein. Du coup bah là je me balade tout simplement en étant en dehors de la glace. Comme ça bah là on peut profiter tout simplement du circuit. Donc comme j'ai dit hein, les 6 circuits sont magnifiques, concrètement le premier bah, c'est super bien d'avoir fait un circuit pour les épreuves d'entraînement pour le drift, ça c'est super bien. Là concrètement bah, c'est des véritables circuits, donc c'est l'un des finalement des circuits, le drift park, bah, c'est pas vraiment un vrai circuit étant donné que c'est juste pour le drift hein, concrètement, mais ça fait partie comme des circuits. Après c'est vrai qu'il est bah il est minuscule, voilà. Donc là on a fait un tour. Donc maintenant on va passer par ici maintenant. Donc comme l'approche comme l'autre vidéo, hein, je me balade absolument dans tout dans toutes les courbes, donc absolument tous les chemins possibles. Absolument tous. Hein. Enfin j'essaye, hein, on va dire, plus ou moins de me balader absolument dans toutes les courbes. Et après, et bah, du coup, je me baladerai un petit peu en extérieur du circuit. S'il y a certains endroits qu'on peut visiter un petit peu comme ça. Mais dans ce circuit je pense pas qu'il y a beaucoup de choses à visiter en dehors réellement du circuit réellement. À part peut-être à droite là peut-être. Hein. Qu'on peut un peu visiter. Alors là je sais pas si on refait un tour complet ou pas. Je ne crois pas qu'on fait encore un tour. Hein. Non. Alors cette partie là du circuit, on l'a déjà eu cette partie là du circuit. Mais c'était en drift, c'est-à-dire que là on faisait cette partie là mais c'était que en drift qu'on faisait cette partie. Et donc là bah là on l'a fait en street tout simplement. J'utilise un véhicule street parce que c'est un véhicule pas trop rapide et c'est pour ça que j'utilise ce véhicule là. Et concrètement après on fait après avec ce qu'on veut hein, concrètement. Donc là je crois que je me suis baladé absolument dans toutes les dans tous les moindres recoins je pense de la piste. Hein. Alors si j'ai pas de bêtises, ici, oui, juste ici comme vous pouvez voir sur le GPS, on peut remarquer
qu'il y a un petit chemin. Voilà, regardez, une petite route ici. Donc cette route, bon, on va la prendre du coup. Donc on peut voir ici qu'on a un petit chemin ici. Qui est franchement, c'est comme j'ai dit, c'est pas mal. Donc en faisant ça, là on peut tout simplement avoir l'épreuve. Hein, tout simplement. Donc on va visiter un petit peu. Donc là on a de quoi visiter finalement. On a bel et bien de quoi un peu visiter tout simplement. Bah, un petit peu cet endroit. Donc là on a tout simplement un... Alors ici, d'accord, si on va ici, on est... Ah d'accord, ok, j'ai compris, d'accord. En passant par là, du coup, on peut revenir sur le circuit. Ah, pas mal. En vrai, on aurait pu mettre une petite route ici pour nous... Mais d'accord, du coup, on peut faire ça. Ça nous emmène dans le... à nouveau dans le circuit, du coup. Hein. Là, on a une roue. Voilà, je me balade un petit peu comme ça, hein. Pour un petit peu regarder un petit peu les alentours. Ouais, franchement, le circuit, moi personnellement, c'est l'un de mes préférés concrètement. Mais il y en a vraiment, il y en a un autre de circuit concrètement, c'est réellement l'un de mes préférés de circuit. Hein. Voilà, il y en a un de circuit, en fait, c'est tout simplement celui qui se trouve à côté de Sac Lac City. Bah, ce circuit qui se trouve à côté de Sac Lac City, je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien. Donc là, on a un immense, immense, immense parking. Là, franchement, ils ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de travail, hein, franchement. Même moi-même, je n'ai pas visité tout les circuits dans les détails. Hein. C'est-à-dire que moi, je me suis juste contenté de me balader dedans, mais j'ai jamais réellement fait ce que je suis en train de faire là. Alors là, je crois pas qu'on était censé venir. Non, je crois qu'on n'est pas censé venir ici. Ouais, on n'est pas censé pouvoir venir ici normalement. Et c'est pour censé être les piétons du coup. Mais vu qu'on peut pas se déplacer à pied sur The Crew 2, bah on peut pas visiter réellement ces endroits-là. Mais ouais, franchement, pas mal du tout, hein. Donc maintenant on va se balader avec la petite route qui est là-bas. Et puis je pense qu'on pourrait conclure bah, tout simplement cette vidéo, je pense. Hein. Enfin, on visitera un petit peu l'autre endroit, l'autre parking. Ici on a un autre, je crois. Je sais pas si on en va regarder. Et puis je pense que c'est pas mal en vrai. Donc là on a une petite route et donc cette route va nous emmène tout simplement dans le circuit Fifing Casino Motorsport Park. Hein. Voilà. Donc effectivement, cette entrée est tout simplement une entrée différente. Et comme vous pouvez le voir, on peut avoir... Donc on va prendre le chemin qui est ici. Et après, on va revenir tout simplement dans le circuit parce que du coup, on a deux endroits différents, finalement distincts, pour entrer dans le circuit. Donc moi du coup j'avais commencé la vidéo ici. Donc on va regarder parce que vous avez vu ici il y a un petit parking. Alors j'aurais pu le regarder en premier mais du coup j'avais pas vraiment pensé à le faire. Du coup on va regarder un peu ici à quoi ça ressemble. Donc ouais, le parking est un petit peu moins grand. Ici il n'est pas très très grand. Mais on a un petit parking, et franchement. Bah, comme j'ai dit, hein, tous les circuits sur The Crew 2 sont vraiment pas mal du tout. Hein. Comme Drift Park, hein, voilà, il n'y a pas photo. Franchement, les circuits sont vraiment super bien faits. Voilà, il y a peut-être juste simplement, on va dire, la transition ici, où il y aurait pu réellement avoir, on va dire, une route, ben, un goût du goudron. Parce que c'est vrai que concrètement, la route. Bah là en fait comme ici en fait la route c'est vrai qu'ici la route elle s'arrête directement là et en vrai ce qu'ils auraient pu faire c'est que la route il aurait pu la mettre directement ici mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait mais ouais franchement si on regarde hein, c'est vraiment bon, sinon après c'est vraiment magnifique le circuit comme bah, comme tous les autres hein, de toute façon.
Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo balade tout simplement dans le circuit Five King Casino Motorsport Park vous aura plu. Donc on se retrouvera la prochaine fois tout simplement dans le circuit qui s'appelle Eagle File. Donc Eagle File, là franchement ça va être magnifique. Qui se trouve près de Dallas. Donc Dallas City ici. Et le Eagle File Motorsport Park se trouve juste ici. Donc on visitera tout simplement ce circuit comme les autres finalement circuits. Donc moi je vais vous quitter tout simplement ici. Donc on va juste tout simplement se téléporter par exemple. Je vais me téléporter ici. Comme ça nous permettra tout simplement de visiter ce circuit la prochaine fois sans pour autant visiter tout simplement l'endroit comme ça. Là on voit absolument pas. Alors là on aurait 89 km à parcourir. Alors le GPS il sait pas trop faut que j'aille pour me rendre au circuit du coup j'ai l'impression. Pourtant c'est juste ici. Ah non non mais le GPS il a juste bugué. Il a bugué le GPS hein. Ok c'est à 2 km hein. Donc depuis cet endroit on est à 2 km complètement du circuit. Comme ça la prochaine fois on visitera le circuit. Comme ça on ça on se spoile pas on... c'est vrai que le circuit il est vraiment juste à côté. Je me rendais pas compte hein, que le circuit il était aussi près de cet endroit là. C'est étant donné que cette route que je suis en train de prendre je ne l'ai jamais prise. J'ai jamais pris cet endroit en vidéo hein. J'ai jamais passé par là. Tout court en vrai. Donc en vrai voilà. Donc la prochaine fois du coup on partira tout simplement d'ici pour faire exactement le même type du coup de vidéo. On se balade dans le Five King Casino Motorsport Park. Non dans le Eagle File, oui je me trompe, c'est bien le Eagle File. Hein. Voilà, c'est ça Eagle File. Donc je vous retrouverai dans ce circuit là. Le samedi 29 octobre. Donc au samedi 29 octobre, c'était Solution Trophée.